J'espère vraiment que vous me voyez parce que j'ai l'impression avec ces éclairages on me voit pas. J'ai l'impression que je suis noire ou le fond il est noir, je sais pas du tout ce qui se passe. Besoin d'aide. J'ai l'impression que mes intros elles sont... Ouh, j'ai de l'argent dans mes poches. Guess who's back. Parce que c'est le week-end, you know. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, en tout cas moi. Ça va pas, je suis encore en cours, on est en fucking... On est encore en mai, ouais, ça va. Je suis en vacances le 18 juin, donc... Oh, j'avais une bête. Oh my god, j'avais une bête là qui venait de se poser. Oh, ah. Donc la bonne du week-end, c'est Yasmine. Si tu veux là, tout ce que t'as à faire, c'est de me commenter dans la description, en bas, là, dans les commentaires. Quand est-ce que t'es en vacances le jour? Moi, c'est le 18 juin. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à la vidéo. Et si on atteint les 7000 j'aime, je sais que vous pouvez le faire parce que vous êtes les meilleurs. Les gars, cette personne, là... Je sais pas cuisiner. Quand je vous dis que je sais pas cuisiner, c'est que je sais rien faire, genre nada. Du coup, aujourd'hui, on va faire un gâteau. Et comme moi, je sais pas cuisiner, bah du coup, j'ai acheté un gâteau préfait. C'est-à-dire, tout est fait pour moi. Juste à verser l'eau et puis voilà quoi. Enfin, du moins, je pense que c'est de l'eau qu'il faut que je verse. J'ai acheté ça. Pas de pub à Alza parce que nous, on veut pas les sponsoriser en fait. En gros, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça s'appelle un moelleux au chocolat. Donc, je sais pas du tout si j'ai déjà goûté ça dans ma vie parce que je dois vous avouer que je connais jamais les prénoms des gâteaux que je mange. Ok, donc là. Ils nous vendent du rêve. Préparation en 2 minutes. J'espère ma puce en fait. Il me faut un moule. Ah, j'ai pas de moule moi. Hein. De 24 cm. Ouh là là. Il commence déjà à sortir des centimètres et tout. Non, 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 c'est pas pour moi. Probablement beurré. Ok. Je préchauffe mon four à 150. Je sais pas allumer un four. Je sais pas s'ils se rendent compte de l'effort que je vais devoir mettre. De préférence en position chaleur, toi, ma puce. Tu me parles de quelle position là? Mais les gars, j'ai rien à ajouter en fait. Mais ma puce, genre en mode, j'ouvre le paquet, je verse, et bam! Mais what? Alors là, si je le rate, c'est que je suis vraiment une... Je suis vraiment nulle, mais je suis déjà nulle de base. Donc. Mais moi, je voulais un petit peu ajouter les ingrédients et tout, mais... Phobie, donc il va falloir chercher un moule. D'ailleurs, c'est pas, je rentre, je vois quoi? Ma mère, elle a fait des gâteaux, genre... Attendez, je vous montre. Je sais pas si vous voyez. Elle a fait des gâteaux, genre... Et moi, j'ai faim, parce que j'ai toujours pas coupé mon ramadan, vu que c'est pas l'heure. Ouais, cool. Ah, aussi, j'ai aussi pris ça. Pour qu'on puisse décorer. C'est pour décorer ça? Ok, donc là on tient un truc. Là j'ai mon beurre. En gros je suis censée beurrer ce truc. D'ailleurs je sais même pas si c'est les bonnes mesures. Attendez. Ok, je m'en fous un peu. Du coup je dois poser le beurre. Enfin du moins étaler le beurre là-dedans. Je vais pas le faire avec mes mains. Du coup je vais le faire avec le... Comment je prends? Moi je prends ça. Hop là. On commence à étaler. Oh my god, c'est trop satisfaisant, genre. Genre là, je cuisine. Trop fière. Genre là, les chaînes de fast food cuisine et tout, je les ai vu faire ça avec du chocolat. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer moi aussi. Je me suis déjà sali, franchement, là. Parce qu'il faut pas que le gâteau, il... Voilà, vraiment, ça devrait suffire. Je m'essuie parce que je suis sale. Ah non, le paquet. Je vais bien revérifier qu'il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à ajouter. Cuisson 20 minutes. Oh my god, il est déjà tout fait. Genre, tout prêt pour moi, genre. Votre pote, elle a toujours pas compris, ça voulait dire quoi, tout préparé, genre déjà tout fait. Je fais toute la pâte à l'intérieur et tout, c'est grave cute. Et genre, je suis censée le verser, non? Bon, ma puce, tu vas tomber ou pas, là? Ah, on tient un truc. Il y a du temps à tomber, là. Hein. Oh là là. Chérie, tu vas tomber, là, ou quoi, là? Donc, quoi, je me suis embarquée, franchement, là. Ok. Par contre, le gâteau, j'ai l'impression qu'il fait 2 cm, genre... J'ai pas signé pour que mon gâteau il fasse 2 cm. Il y a du caramel, je le sens. Oh my god. Et je sens que ça va pas être bon. J'allais faire ça. Franchement, j'allais manger le truc. Là, ça va pas. Ils me disent un plat de 24 cm. Leur truc, il rentre même pas. Leur gâteau, il rentre même pas dans mon plat, quoi. À quelle heure tu vends un gâteau pour pas qu'il rentre, quoi? Regardez comment je suis en train de me salir, là. Et leur gâteau, là, il me fait peur, quoi. Enfin, il fait 2 cm, quoi. Moi qui croyais que ça allait être facile, je suis là, je suis en train de galérer pour ressortir un gâteau de son sac. Ah moi tu me crois, le truc il remplit même pas tout le... Il remplit même pas tout là. Ce que vous venez de voir, ça arrive très souvent, c'est-à-dire que j'oublie les mots, j'oublie leur... Ça arrive, voilà, ça arrive tout le temps genre. Maman, est-ce que tu... Si tu regardes, tu te fous pas de ma gueule, ok? Mon gâteau c'est une crêpe genre. A crêpe, a French crêpe genre. Par contre, là, j'ai l'impression, le gâteau, il va pas être réussi. Donc,
Ne vous attendez pas à grand chose de ma part. De toute façon, vous étiez venu sur cette chaîne, donc vous savez très bien que vous ne pouvez pas s'attendre à grand chose de ma part. Donc ma mère, elle a allumé le four pour moi parce que c'est très bien que... On adore, mon gâteau il est trop cute. Du coup, voilà ce que ça donne le gâteau. Donc cute, il fait actuellement 1 cm. Ça va pas, mais on va essayer de s'en sortir. Donc là, je vais aller mettre au four. Comment est-ce qu'on allume un four? Si je vous sais, est-ce que je meurs? Ouh là là. Ouh là là. Ma phobs. Ok les gars, donc là ça va être le débrief parce que j'ai vu que le gâteau... Pourquoi elle crie? Parce que j'ai vu que le gâteau était en train de monter. Genre je suis grave heureuse, je suis heureuse. C'est iconique, regardez-le. Il est en train de monter. Oh my god. Je l'ai accouché, il est là. Donc là en fait c'est l'étape où je vais planter un couteau dans le gâteau. Et s'il y a de la pâte par-dessus, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore cuit... J'avoue, je vous avoue que j'ai un peu peur d'ouvrir ça. Oh my god, oh my god, oh my god. Ok, il n'est pas encore cuit. Le gâteau. Du coup, il est là, le gâteau. Donc, le critiquez pas, s'il vous plaît. Il est super beau. Est-ce qu'il faut que je le sorte du moule? Personne ne me répond de cette maison. De toute façon, j'étais habituée à ça. Je sais pas pourquoi je m'attendais à autre chose. Je crois que je vais le sortir du moule. Mais j'ai peur de faire n'importe quoi. Du coup, je pense que je vais d'abord le décorer, après le sortir. Hop là. Maman, j'écris quoi sur le gâteau? Ok, je vais écrire love you, ok? Pourquoi y'a rien qui descend là? Comment cette vidéo, j'ai l'impression que c'est du n'importe quoi là. Voilà. D'abord vous faites d'abord les contours, histoire d'avoir un peu la forme. Franchement là vous allez voir mon gâteau, vous allez être chouk genre. Vos chefs cuisiniers ils ont peur pour leur carrière. Et là j'ai pris ça. C'est des petites décorations donc on va les mettre. Je vais en mettre dans ma main. Hop là. Donc on va les mettre sur tout le gâteau quoi. Par contre ils tiennent pas trop hein. Franchement les gâteaux et moi c'est pas la fête quoi. Voilà mon gâteau. Je vais vous insérer ce soir quand je vais goûter le gâteau. Parce que maintenant je vais pas le goûter vu que je peux pas manger. Et voilà donc j'espère que ça sera bon. Il sera bon, pourquoi je doute là? Le chef a cuisiné ça. Bon guys, donc là je peux manger. J'ai coupé une part du gâteau donc il y a le L là, le love. Et franchement il m'a l'air sympathique. Je trouve que je l'ai pas raté. Donc on va goûter. Après, j'ai goûté mieux parce que ma mère a fait que des gâteaux chez moi, du coup, mais c'est bon, iconique. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui seront juste ici ou là. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!